Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser une paire de boucles d'oreilles avec une goutte, des perles Preciosa 8-0 et des intercalaires 2 et 3 rangs. Pour fixer les lignes de perles, nous allons utiliser du fil de cuivre 0,40 mm. Retrouvez le lien vers le matériel dans la description de la vidéo. Enfilez 5 perles. Un intercalaire de rang. 5 perles. Un intercalaire 3 rangs. Vous passez le fil sur un des rangs du bout. Et on rajoute encore 5 perles. On met 5 perles à chaque fois. Un intercalaire 3 rangs. Maintenant, on repasse le bout de la goutte à l'intérieur du tube. Voilà. On prend un petit morceau de tissu que l'on place autour du tube. Et on aplatit le tube, regardez bien où vous vous placez, avec une pince plate. Maintenant, on coupe un morceau de fil de cuivre et j'enfile 7 perles sur mon fil. Et je passe mon fil dans l'intercalaire 3 rangs des deux côtés sur le rang du centre. Ensuite ici, j'enfile 6 perles et je glisse mon fil de nouveau dans l'intercalaire du centre et de nouveau j'enfile 6 perles. Et je passe dans le deuxième trou de l'intercalaire de rang. J'enfile une nouvelle perle. Et maintenant, je vais entourer mon fil autour de la goutte entre ces perles. Donc, une, deux. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'enfile 6 perles. Maintenant, on va passer au troisième rang. Donc, je recoupe de nouveau
un petit morceau de fil de cuivre. Et cette fois-ci, j'enfile 8 perles. J'enfile de nouveau 8 perles. Et maintenant une perle. Et je fixe mon fil après la deuxième perle ici. Donc pour s'aider, on peut pousser le fil à l'intérieur de l'espace ici. Et l'attraper de l'autre côté. Hop. Et maintenant, je recoupe mon fil. Et je l'aplatis. Pour que ça ne griffe pas. Et on refait la même chose de l'autre côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à fixer la boucle d'oreille. Donc, j'ouvre l'anneau. Et je referme l'anneau. Ensuite, ajoutez la breloque de votre choix. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air. Et à la prochaine pour de futures vidéos.